à la réflexion, mais également aux prises de décision. Raison pour laquelle la commune de Golfe Sud a organisé ce forum pour échanger avec les jeunes. Nous avons tout à l'heure eu à écouter les paroles d'un illustre chanteur. Très, très souvent, nous sommes animés par le rythme, par la musique. Mais des messages importants ont pu être distillés à travers cette musique. Nous sommes à l'ère de l'intégration. Il n'y a pas de saut métier. Il faudra que chacun s'y mette, où qu'il se trouve. On n'a plus seulement des pêcheurs ou bien des mâles comme pêcheurs. On n'a pas seulement des saloum-saloum, des bol-bol comme agriculteurs. Les choses ont beaucoup évolué. Et l'État en est conscient. Hier, l'administration avait la possibilité d'offrir à qui voulait un emploi. Je crois bien qu'on n'est plus à cette ère, bien que l'État continue à faire des offres d'emploi. Mais le plus important, c'est que l'État est en train de mettre les conditions. Très souvent, c'est un problème d'information que les jeunes ont par rapport à ces offres que l'État met à leur disposition. Donc à travers ce forum, il s'agira de partager l'information, de démocratiser l'information pour que ceux qui aspirent à entreprendre, ceux qui aspirent à se faire former, puissent avoir l'information. Et nous sommes très satisfaits de l'objectif qui a été fixé par la commune de Golfe, à savoir, à l'issue de ce forum, qu'il y ait au moins 500 jeunes qui puissent bénéficier soit d'une formation, soit d'un contrat, etc., etc. Donc c'est ambitieux et je crois bien que si tous les acteurs qui sont là s'engagent à vous accompagner, on pourra atteindre cet objectif et bien sûr le dépasser. Donc nous invitons l'ensemble des jeunes à promouvoir, à développer l'entrepreneuriat. Qu'on ne se fixe pas de limites, qu'on ait en idée de participer au développement du pays, quel que soit le secteur d'activité dans lequel on se trouve. Aussi, informer les jeunes que le bureau économique qui sera mis en place par la commune de Golfe, je crois bien que c'est une initiative qui sera partagée avec les autres communes, qu'il y ait un lien de ces bureaux économiques avec le pôle emploi qui a été créé par M. le Président de la République au niveau de tous les départements, et que celui de Guédiawaye est actuellement fonctionnel et se trouve au niveau de l'espace service qui est à Ouakchina-Nimza. Donc il y a ce lien et vous dire que également que tous les mécanismes qui vous permettront d'aspirer à un emploi, qui vous permettront d'entreprendre, qui vous permettront de vous former, sont disponibles et que seront mis à votre disposition pour vous permettre de vous insérer le plus rapidement possible, tout en vous invitant à vous former au métier de l'avenir. Donc sur ce, nous remercions encore une fois la commune de Golfe, Madame la maire, pour votre engagement. Remercier également le comité scientifique pour l'important travail qu'il a abattu pour que ce résultat-là puisse être atteint. Je vous remercie de votre aimable attention.